Bien. Ousmane Nielui, ministre de la Défense nationale du président Alpha Condé sur Facebook. Un ministre qui ne dort pas. Un ministre qui ne recule pas. Un ministre qui fait face à tous les problèmes de la République de Guinée. Surtout ce qui concerne le chef de l'État, Son Excellence le professeur Alpha Condé. Bien. Chers compatriotes guinéens et guinéennes, je suis venu parler un peu en poulard aux moutons de l'IFTG. Pour vous parler, j'ai appris que demain encore, vous voulez partir pour, si j'ai bonne mémoire, que vous devriez demain aller à l'hôpital chino-guinéen. Après l'hôpital, vous partez à Bambeto pour enterrer, je ne sais pas, la personne qui est décédée. Nous ne sommes pas contre ça. Partez tranquillement prendre le corps, partir l'enterrer et rentrer chez vous dans le calme et dans le plus grand respect. Mais si quelqu'un tentera de brûler un pneu ou de barricader la route, il nous verra fort et clair. Onon wiwe django on yahai chino guinée ya non fure mongo e molon ya on surroyom cimetière Bambeto ya non fure o ya on surro e jang mo yere yo alla hilno mo ya fomo so lanni suru demo imme hoton kamon doy har on yettale pinere e sunnugol e travo inna kanyuno ittude moné kala mo men yi no sunnude pinere jang kankati gasa ko arta do kadi an kadi a tawete der dum non kadi a wattinote don kadi Bambeto don voilà dum se ko dum menta la sakka sadaka ala e mum parce que on bewi joni mena non bewre monde men itaine bewre natunde e IFDZ ne bewre sokkinde e IFDZ ne men itaine men itire dum wa bullal ko non men itirta dum ko parce que on handini jama la Guinée on faw no wurira hidon agni le idin la Guinée do onon IFDZ on fala ka leñol gotol dum no wawata marsude hande kat ko lotanan yirgana jango ye jetto fure mon ya on wattino yom jette fure mon ya on wattino yom si on gayni surrugol mi goddo no yetta bunnaru babe mundu sunna pinere ka travo men suwa nene otiki jango kat parce que men suwi toto nene otika bi do andi nene bu nene IFDZ bu no suwa wobbe mabbe kono men suwi toto on kat fi yonu parce que on nanata je vais revenir en français demain l'IFDG a dit qu'ils vont prendre leur corps qu'ils ont au niveau du chino-guinéen pour aller faire sa dernière demeure. Ils n'ont qu'à prendre le corps chino-guinéen, traverser là-bas,
Metal Guinée, prendre la route de Bambeto, aller à la cimetière, enterrer le jeune, rentrer tranquillement chez vous. Si quelqu'un tentera, après ça, de brûler un pneu encore sur la route, la semaine prochaine encore, vous allez encore enterrer quelqu'un là-bas. Ça, je ne le cache pas, hein, parce que vous êtes des moutons. Vous, les moutons de l'IFDG, c'est ça que vous méritez. Être cassé, être bastonné, c'est ça. Et avoir beaucoup de gaz lacrymogène dans vos anus, parce que vous ne comprenez pas. Vous pensez que chercher le pouvoir, c'est de détruire les biens publics des gens. C'est d'insulter les gens. C'est de s'attaquer aux gens. Vous finissez d'enterrer le jeune. Vous allez vous en prendre encore après au bien public et au bien des citoyens guinéens qui ne font même pas partie de la politique. Si quelqu'un, toutes les dispositions sont déjà prises pour demain, si quelqu'un tentera encore de brûler un pneu là-bas, au niveau du rond-point de Bambeto, vos mamans seront déchirées encore là-bas, dans votre zone. Là. Vous serez gazés encore demain là-bas. Vous serez saccagé encore là-bas. C'est ça que vous méritez. Parce que vous êtes des moutons. Vous ne comprenez jamais. Vous pensez que vous avez le monopole de toute la violence dans ce pays. C'est pourquoi nous, aujourd'hui, on est en train de combattre. Pourquoi? Pour ouvrir l'esprit des autres Guinéens. Des autres Guinéens. Ouvrir leur esprit, leur faire comprendre que Alpha Condé a été opposant ici combien d'années. Il n'a jamais appelé à la violence. Alpha Condé n'a jamais enterré ici un militant du RPG. Si ce n'est pas mort naturelle, par Dieu. Mais vous, vous comptez les morts. C'est que je me dis que vous prenez vos morts là. Vous, c'est que vous comptez ça, genre en disant que eux ils sont plus victimes que les victimes de Kambouarou. Ou eux, ils sont plus victimes plus que ceux qui étaient du 22 janvier ou de 28 septembre. Victime égale victime. Victime égale à victime. Si demain, vous savez, moi, tout ce que je vous dis, vous prenez par la mamaya, c'est quand vous sortez après, vous allez trouver au dehors, c'est chaud. Maintenant, vous allez dire, Nielo y avait dit, allez-y, enterrez votre enfant qui est décédé, paix à son âme, que le paradis Firdaus soit à lui. Mais quand vous finissez de l'enterrer, que chacun prend sa moto ou sa voiture, rentrer à la maison. Quand vous tenterez de caillasser véhicule de quelqu'un, nous n'allons pas hésiter aussi de caillasser aussi vos biens. Ça, je ne excite pas à la violence, mais bien égale à bien. Bien égale à bien. Voilà. Toi qui es en train de me poser la question là, me disant que si moi je suis content parce qu'on tue ma communauté. Moi je ne suis plus peulé. C'est vous qui avez dit que moi je ne suis plus un peul. Que moi je suis un malinqué. C'est ça que vous avez dit. Vous avez dit que je suis un vendu. Que moi je suis un peul vendu. Donc vous avez dit que moi je ne suis pas un peul. Donc vous voulez que je parle quoi? Donc je parle en français. Pour ceux qui veulent écouter mon message que je veux lancer. Voilà. C'est vous qui avez déclaré la guerre dans ce pays. Vous avez dit, quand toi tu es peul,
Toi, tu n'as pas le droit de soutenir un parti que tu veux. Vous avez dit que si tu es Peul, tu es égal à UFDG. Vous avez dit que UFDG, c'est égal à toute la communauté Peul. Quand tu attaques UFDG, ça veut dire que toi, tu as attaqué tous les Peuls. C'est vous qui avez déclaré cela. C'est pas moi, hein. C'est pas moi, hein. C'est pas moi, hein. Demain, quiconque va brûler un pneu là-bas, on va circonciser la maman de la personne. Vous, les militants de IFTG, on va circonciser vos militants. Oui, Ibrahima Diallo, il faut dire que je suis comédien. Continue, il faut continuer à rire. C'est toi qui as envie de rire. Moi, je ne ris pas. Moi, je suis au sérieux comme ça. Je te dis ce qui va se faire demain. Toutes les dispositions sont prises. Demain, quiconque va brûler un pneu là-bas. Demain, vous savez, l'autre fois, les pick-up n'étaient pas à Bambeto, non. Ils étaient en bas. Demain, on va les envoyer au rond-point. Ils vont s'arrêter là-bas. Pour que Agbeli tue, on ne va pas les garer vers de l'autre côté en allant vers l'aéroport. On ne va pas les garer là-bas. On va les remonter jusqu'au niveau de Bambeto. Ils vont s'arrêter. Ils vont se stationner là-bas. Demain. Voilà. Ce qui doit être éclairé, ça va être éclairé le matin de bonne heure. Pour que vous allez comprendre que vous ne pourriez même pas, à plus forte raison, commencer. Je vous ai dit et je vous répète. Celui qui ne veut pas rentrer à l'au-delà encore demain, quand il finit de faire votre funérailles et l'enterrement, prenez les fesses de vos papas et de vos mamans, vous les militants de IFTG, rentrez chez vous. Si quelqu'un tentera de brûler là-bas un pneu, si quelqu'un tentera de brûler un pneu encore demain là-bas, tu vas rentrer à l'au-delà. Ça, je vous garantis, hein, tu vas rentrer à l'au-delà. Je sais que vous êtes beaucoup. Vous n'allez pas finir. Vous êtes des moutons. Mais on va s'occuper de ça. C'est ça, je dis. Moi, je n'ai pas peur, hein. J'assume mes propos encore de ce que je suis en train de vous dire comme ça. Parce que vous n'êtes pas les seuls en Guinée. Vous n'êtes pas les seules personnes affamées dans ce pays. Vous n'êtes pas les seules personnes qui voient si la Guinée est bonne ou pas. Il y a combien de partis politiques en Guinée? Tout le monde est calme. Mais personne ne parle. Mais vous, vous pensez que les gens sont fous. Et c'est vous les plus fous. Parce que demain, on va circonciser encore vos mamans. Demain, vos mamans, on va les circonciser. Très bien, on va les circonciser une troisième fois ou une deuxième fois. Parce que il y a parmi vous, vos mamans ne sont pas circoncisées, vous IFTG. Parce que vous n'avez pas honte. Vous pensez que vous avez le monopole des injures. Et à un moment donné, vous avez trouvé que je suis plus fou et plus malade et plus dingue que vous. Moi, j'ai grandi à l'UFDG. J'ai pas vu un fils de prostituée dans l'UFDG, moi, qui peut, moi, m'effrayer. Le fils de prostituée, là, n'est pas dans l'UFDG, moi, qui peut m'insulter. Moi, je vais replier. Lui, il n'existe pas, là-bas. La personne là qui peut m'effrayer dans l'IFDG, quand on se rencontre encore, Mamadou Ba, toi tu dis que si je suis un homme, de sortir sans mes gardes. Pourquoi Selou Deleng ne sort pas dans sa maison sans ses gardes? Tu penses qu'avoir des gardes, c'est genre, tu as peur ou quelque chose? Non. Quand tu arrives à un niveau,
de la vie, quand tu arrives à d'autres étapes de la vie, tu vas avoir des gardes. Quand tu te sens en insécurité, tu dois avoir des gardes. Je vais te dire ça. Donc, votre Seloudalen, votre demi-dieu, hein, si il est sûr qu'il est aimé, il est sûr qu'il a des, qu'il est le plus populaire, parce que c'est ce qu'il chie, qu'il est le plus populaire, hein, il n'a qu'à sortir aussi sans garde, marcher seul dans son véhicule, marcher lui seul, partout là où il va. C'est ça. Arrête de me chier, arrête d'ouvrir l'anus de ton papa pour me dire ça ici. Voilà, moi je suis pas là encore pour répondre les questions. Hein. Je dis, demain, celui ou celle qui va brûler un pneu, je vous ai dit, hein, je viens de Bambeto comme ça. Là-bas, les pick-up sont déjà installés, ils sont arrêtés. Je les ai bien installés là-bas avant de replier à la maison. Toutes les pick-up, les dispositifs sont là-bas, ils sont mis là-bas. Toutes les deux corps confondus, police et gendarmerie, ils sont déjà installés et placés. Ils ne vous feront rien. Ils sont juste venus pour sécuriser le lieu. Parce que c'est là-bas que vous voulez faire vos pagailles demain. Ils ne vont pas provoquer quelqu'un. Mais si vous les provoquez, ils vont répliquer. Parce qu'il y a ce qu'on appelle légitime défense encore. Vous dites que vous êtes des démocrates. Mais vous frappez la police. Vous dites que vous êtes des démocrates. Vous frappez la gendarmerie. Hein? C'est ça qu'on appelle démocratie. Est-ce qu'une fois, vous avez entendu Alpha Condé dire à un de ses militants, il faut aller frapper un policier ou il faut aller frapper un gendarme pendant, quand il était dans l'opposition. Hein? Donc, c'est ce que je vous dis. C'est ce que je vous dis. Demain, quiconque, peut-être pour ceux qui logent à Bambeto, tout de suite là, je viens de là-bas. Pour ceux qui logent là-bas, il n'a qu'à me dire si des pick-up ne sont pas là-bas. Tout de suite, je viens de là-bas. Il y a 45 minutes, je viens de rentrer. Ils sont tous installés, arrêtés. Ils vous attendent demain matin. Comme vous êtes des fous, et des dérangés, vous allez voir. Vous allez prendre votre corps. Vous allez partir l'enterrer. Vous rentrez tranquillement. Tu brûles un pneu, on va l'éteindre dans les fesses de ta maman. Je ne sais pas si ce que je vous dis, si vous pensez que si je suis en train de rigoler comme ça, n'est que Dieu me crève dans l'enfer. Vous prenez mes paroles de Mamaya. Voilà. J'ai dit, et je répète, demain, vous brûlez un pneu là-bas. Je viens de passer là-bas. Où est même mon truc là? Mon tanki, il est branché. Sinon, j'allais redemander encore la position de Bambeto, c'est comment? Je vous dis, et je vous répète, demain, partez, prendre le corps, vous l'enterrez, vous rentrez chez vous. Si vous ne voulez pas encore d'autres morts encore là-bas. Si vous ne voulez pas encore d'autres morts là-bas. Moi, je m'en fous, go. Moi, je m'en fous. J'assume mes propos. Tu sors demain, tu brûles un pneu, tu vas rentrer à l'au-delà. Ça, c'est terre à terre. Parce que vous êtes des moutons. Vous méritez ça, vous, les militants de l'IFDG. Parce que c'est vous qui avez gâté le pays là. C'est vous qui avez... C'est que vous êtes trop victimisé en disant non, ma communauté. Quelle communauté?
Vous êtes la communauté la plus pauvre. Vous êtes la communauté qui a plus faim que les autres communautés. Vous, communauté IFDG. Hein? 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 Et puis moi, je vais vous dire une chose. Je vais vous dire une chose. Moi, je n'ai appelé personne sur mon direct ici. Moi, je n'ai appelé personne ici, sur mon direct là. Ce que j'ai dit là, hein, c'est lui qui ne veut pas me regarder. Ce n'est pas forcé. Est-ce que moi, j'ai forcé même quelqu'un de venir me regarder? Hein? Moi, je parle aux citoyens conscients guinéens du RPG Arc-en-Ciel et aux citoyens guinéens, le peuple de Guinée. Moi, je m'adresse à eux, pas aux militants de l'IFDG. Moi, je n'ai pas appelé un militant de l'IFDG sur mon direct ici. Demain, quand vous allez sortir, il y a des gens qui vont régler votre compte là-bas, dans la rue. Il y a des gens avec qui vous allez affronter. Ils vont vous... Mais pas ça, on y a dit. 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 Parce qu'on a dit qu'on a fait ça. 2020, le 18 octobre, mais il y a élection. Mais il y a une autre alpha qu'on a dit. C'est tout le monde. Que cela soit clair, on va présenter Alpha Condé pour un troisième mandat. Voilà. Ceux qui ne sont pas... C'est lui qui n'est pas content sur ça. Il n'a qu'à aller se faire chier. On va lui présenter pour un troisième mandat. Pourquoi? Parce que il travaille. Il est en train de nous montrer aujourd'hui une émergente développement dans notre pays. Pourquoi on va le laisser? Vous voulez changement? Vous voulez nous envoyer les anciens véhicules? Quand on dit changement, c'est un changement global. Mais un changement avec un ancien véhicule peinturé, ça ne marche pas comme ça. Les cellulaires là, les anciens voleurs là, quand les gens là vont prendre ici, et vous vous dites que c'est eux, vous voulez qu'ils viennent diriger la Guinée. Des anciens voleurs comme ça. Quel changement on a fait? Hein? Quel changement on a fait? Macienta, Benito, moi je ne parle plus de premier mandat dans la 4ème République. Hey, sortons de ça. Allons droit au but. Troisième mandat. Voilà. Moi je n'ai peur de rien. Et puis à partir de demain maintenant, c'est ça. Je vais parler du troisième mandat. C'est lui qui ne veut pas, il faut venir me manger. Chacun a le droit de dire ce qu'il veut et ce qu'il pense. Nous ne sommes pas en dictature, hein. Vous nous parlez de troisième mandat. Poutine, il a fait combien d'années comme ça de mandat? Hein? Les puissances là, ils ont fait combien d'années de mandat? Pourquoi vous ne parlez pas, vous partez pas chier là-bas, vous allez dire que non, les gens là aussi doivent quitter. Hein? Vous pensez que les gens sont fous ou non, les gens sont naïfs? Hein? Miné, toi, Daniel là-bas qui est en train de parler que le jour on va t'attraper. Moi, quand tu m'attrapes, tu vas rentrer à l'au-delà, le même jour. À 5 mètres, tu essayes, quelqu'un va te descendre direct. Tu vas te coucher par terre là-bas. Moi, je ne cache pas, go. Moi, c'est direct maintenant, j'ai décidé ça. Maintenant, j'ai décidé, c'est fini. Ça, c'est fini maintenant. Voilà. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop dans le pays, là. Vous pensez quoi? Vous pensez que c'est vous seul? Il y a ce qu'on appelle majorité silencieuse aussi. Les gens, là, sont là. Eux, ne parlent pas. Hein? Regardez le jour des élections législatives et référendums. Les gens qui étaient partis voter vers 12h, 13h. Mais les urnes étaient pleines. Vous pensez que c'est une petite minorité, une petite. Et des petites personnes, des petites zones, comme Abdallah Bambeto, qui dit nous, on est contre ça. Vous pensez que vous avez le droit plus que les gens qui sont à Cancan?
Vous pensez que vous avez le droit plus que les gens qui sont à Bokeh. Vous pensez que vous avez le droit plus que les gens qui sont en forêt. Vous pensez que vous avez le droit des gens qui sont à Kankan, Bokeh et Sigiri et Zérékoulé. Vous pensez que vous avez le droit plus que les Allah. Hein? Vous vous faites énerver les gens quoi. Ou non vous pensez que vous avez le droit plus que les autres. Hein? Hein? Vous pensez que vous avez le droit plus que nous autres? Ton droit, c'est ton droit. Mon droit, c'est mon droit. Tu as le droit de dire que tu n'aimes pas RPG. Moi aussi, j'ai le droit de dire que je n'aime pas IFDG. Mais toi, ton droit, dire que toi, ton droit de ne pas aimer RPG, là, c'est bon. Mais toi en personne aussi, toi, tu veux dire que toi aussi, tu n'aimes pas IFDG. On te dit que non, ça, c'est pas normal. Toi, tu dois pas dire ça. Vous pensez que quoi dans le pays, là? Hein? Hein? Vous pensez quoi dans le pays, là? Aussi, quand ils ont fait, hein? Quand ils ont Poutine, il faut aller dire à les Poutine de ne pas se présenter, alors? Hein? Poutine a fait combien de temps au pouvoir? Hein? Combien de présidents ici? Les puissances, ils ont fait combien de temps au pouvoir? Vous pensez que vous pouvez, en 10 ans, un pays ne peut pas se développer comme on veut en 10 ans. Alpha va terminer ce qu'il a commencé. Il veut, il ne veut pas, il va terminer ce qu'il a commencé. Voilà, le 18 octobre, on va aller aux élections. On a décidé, nous, les militants engagés du RPG Arc-en-Ciel, de dire aux responsables des sections, sous-sections, fédérations du RPG Arc-en-Ciel, de transmettre le message des militants du RPG. Au niveau des ministres, les ministres n'ont qu'à rendre compte au chef de l'État que nous, c'est Alpha Condé, on veut présenter. C'est lui qui n'est pas content. Il y a Guinée-Bissau là-bas, c'est un ballon, vous pouvez partir là-bas. C'est pas forcé de rester en Guinée ici. C'est pas forcé de rester en Guinée ici. Il faut partir chez Ambalo, vous allez rester là-bas. Vous pensez que vous, c'est votre droit seulement. Les autres n'ont pas de droit. Hein? Les autres n'ont pas de droit. Les autres n'ont pas le droit à la vie aussi. Les autres n'ont pas le droit à leur choix. Vous pensez que c'est vous seulement, vous, IFDZ. Le cycle d'un fait, il faut. Hein? Hein? Moi, je ne suis pas dans la démagogie là. Moi, j'ai dit ça. Quiconque j'entends encore dire ici, premier mandat dans la 4e République, je vais t'insulter. On parle de 3e mandat. Celui qui ne veut pas écouter ça, il vient m'attraper. C'est ça maintenant. Qu'on sort de nos coquilles là. On va droit au but. Moi, je ne suis plus dans la démagogie là. Il faut assumer ta position politique. Il faut être constant dans la politique. Moi, je ne me cache pas. Hein. Moi, je ne me cache pas. Hein. Moi, je ne me cache pas. Quand j'étais dans l'UFDG, tout ce que je faisais, est-ce que j'étais caché? J'étais pas caché. J'étais public. Hein? Vous pensez quoi? Celui qui n'est pas prêt à recevoir le 3e mandat d'Alpha Condé, partez en Guinée-Bissau. Commencez à plier vos bagages parce que Alpha sera installé encore le 21 décembre 2020. Au palais Sékou-Touré, il va continuer à diriger 6 ans encore. Si c'est ça que vous, si c'est ça d'autres personnes ont peur de vous dire, à moi je vous déclare ça. Aujourd'hui, on va installer Alpha Condé le 21 décembre
2020. À vous, la communauté IFTG. À vous, la communauté IFTG qui s'oppose à ces retournés, qui s'oppose à l'ancien Conté, qui s'oppose à Dadis Camara, qui s'est opposé à Sékouba Konaté, qui s'oppose à Alpha Condé actuellement et qui va continuer à s'opposer éternellement les pouvoirs de tous ceux qui viendront. Nous, il n'y a pas de problème. Vous pouvez rester dans l'opposition. Ce n'est pas grave. Continuez à vous opposer. Nous, on va vous maîtriser. Nous, on a des bons tournevis pour vous serrer et pour vous desserrer. On sait à quand on va vous serrer. On sait à quand on va vous desserrer. Parce que vous êtes des moutons. Oui, Moïse le shérif. C'est ça ils veulent. Que tout le monde adhère à l'IFDG. Que si tu es peul, il faut forcer rester dans l'IFDG. Sinon, toi, tu n'as plus le droit à rien. C'est en Guinée seulement tu peux voir ça. À Dakar ici, à Bamako, même en Guinée-Bissau, même partout. Les gens sont civilisés maintenant. Chacun reste dans le parti là où il veut. Il défend son parti. Mais tu vas avoir des bilacros mal pondus de l'IFDG dire que si toi tu es peul, il faut que toi tu restes dans l'IFDG. Si toi tu es peul, il faut que tu soutiennes Selou Dalein. Si toi tu es peul, si tu ne soutiens pas Selou Dalein, ça veut dire que toi tu n'es pas un fils digne. Toi tu n'es pas un tout le monde. Il se libère. Il me fatoue, il me pépira béni et là, des bâtards réunis que vous êtes. Moi, j'assume tous mes propos de ce que je te dis. Voilà. Moi, personne ne peut m'effrayer. Si tu ne veux pas me regarder, il faut aller prendre les testicules de ton papa, tu vas quitter sur ma page. Ici, je dis ce que je pense. Quelqu'un ne peut pas m'interdire de parler parce que nous sommes en démocratie. Dindopeng ono sikure kono du feti min kala ukira mi wara e oti billahi wallahi tallahi oy go min sila yawde peut-être on yila sila yawde ka kasara em foti e buy hala himbe buy yila ay ko yutri ko mbawa min bi mi jonna e direct autorisation et puis be feti na kadi vrai kande wuccu du babe ngoti direct mimi sulata go dum voilà mimi yata min tunde mi ay wala wala woni prêt contre moi parce qu'on bi so libre parce qu'on jabata on c'est que il doit watio mon que on encore on tout on encore ko fal on ko tout ko wobe kan ko fala ko dum no wana ko hani ko dum minata e wuccunoji mon nyande o yande c'est ça ça fala kanande ko mi wolta ko il faut quitter sur ma page quand je suis en direct. Il faut quitter sur ma page, ne me regarde pas. Parce que moi, je dis pas ce que vous voulez entendre. Je dis ce que moi, j'ai envie de dire et ce qui est bon. Pour finir, je vais vous dire une chose. RPG Arc-en-Ciel. Je vais m'adresser un peu au RPG Arc-en-Ciel aussi. Hey, je vais vous dire une chose. Vous avez soutenu Alpha Condé depuis 1991 jusqu'à maintenant. Ce n'est pas maintenant qu'il faut le lâcher. La communauté IFDG est contre toute évolution en Guinée. La communauté IFDG est contre le développement de la Guinée. S'il y a des escrocs parmi nous au RPG, des escrocs patentés qui pensent que, après, pour eux, parce qu'il y a des gens, il y a des escrocs aussi parmi nous, qui pensent que ils vont dire, non, tu sais, moi je ne veux pas être trop affiché pour ne pas que le temps me rattrape. Hey, sors de la politique, hein. Faut plus être dans la politique. Il ne faut plus être dans la politique en ce moment. Si tu sais que la politique, c'est la politique du ventre que tu es en train de faire. Là, je m'adresse au RPG. Hein. À certaines personnes qui sont dans le RPG, qui font le malin en faisant croire à Alpha Condé que ouais, nous sommes avec toi, nous sommes fidèles à toi et que tu es un lâche, tu es un escroc. Moi, le jour où je saurai que quelqu'un est lâche,
derrière Alpha Condé. Même si vous avez fait 25 ans ensemble, je vais te dénoncer. Après, tu vas venir me manger. Moi, je ne suis pas un lâche. Je ne soutiens pas quelqu'un par lâcheté. Je te soutiens et je te prouve que je suis avec toi de corps et âme. À vous, le RPG Arc-en-Ciel, je suis en train de parler. Nous sommes à une phase où on ne doit pas lâcher le président Alpha Condé. Il y a certaines personnes entre nous, je ne vais pas citer ici leur nom, mais bientôt, un gros combat va commencer d'abord entre nous. Parce que tu ne peux pas dire que toi tu aimes Alpha Condé, que toi tu le soutiens et que tu es hypocrite derrière. Toi, tu veux te cacher. Tu ne veux pas que ton visage sorte. Et nous sommes en politique. Ça, on n'est pas d'accord. Même devant le président, je vais lui dire, Monsieur le président, il y a des escrocs qui font semblant. Vous savez, pourquoi en politique, il y a des gens qui sont perdants toujours? Il y a des lâches. Il y a des lâches. Quand tu es lâche dans la politique, tu es aujourd'hui ici, demain tu es là-bas, après demain tu es là-bas, tu ne seras jamais respecté. Tu n'auras jamais ce que tu veux. L'honneur que tu voudras, tu ne l'auras pas. Moi aujourd'hui, si vous voyez, le respect est né chez moi, parce qu'on n'a jamais connu un parti politique si ce n'est pas IFTG. Et rien au monde ne pouvait nous faire démissionner dans l'IFTG. Si ce n'est pas parce que Seloudalen s'est foutu de mon père. C'est tout. Sinon, on n'a jamais demandé de poste. On n'a jamais dit, si on ne gagne pas le poste là, on va quitter. Il y a eu combien de députations, il y a eu combien d'élections. On n'a jamais demandé même un petit poste de l'IFTG. On a juste demandé le respect et nos dignités ne soient pas piétinées. Demain, je vais faire une vidéo pour le RPG Arc-en-Ciel. Je vais dire à tous les escrocs qui sont parmi nous, qui font semblant qu'ils sont en train d'aider le professeur Alpha Condé et qu'ils savent qu'ils sont des lâches, sortez du combat à l'air là. Laissez entre nous, nous on va avancer. Un guerrier ne doit pas avoir peur. Un guerrier, même si tes balles sont finies, il faut résister. Il faut offenser. Il ne faut pas reculer. Tu ne sais pas qu'est-ce que Dieu a prévu pour toi devant.